Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Surviving Mars. Alors on va pas se mentir, je vais vous avouer un petit truc, c'est que j'ai fait un épisode de 13 minutes. 13 minutes où je me suis, mais genre, bien foiré. Je me suis dit, bon en fait ça va pas, je galérais, je trouvais pas, c'était vraiment un calvaire. Donc je me suis dit, bon, on va recommencer, je vous le dis quand même, parce que comme ça vous êtes au courant. Alors on va appeler la colonie Philus Colony. Voilà, elle s'appellera comme ça. Alors, on va prendre comme... Alors, mission... Attendez, c'est quoi ça? Ok, on va laisser comme ça. On va prendre comme logo, c'était ça que je voulais dire. On va prendre le symbole communiste. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Tout ça, on va rien changer. Alors, on va pas l'appeler courage, on va l'appeler plutôt... Pluto 1. Super. Pluto qui veut dire Pluton. Comme ça, vous le savez. Donc, en gros, voilà, j'avoue que j'avais galéré, mais genre vraiment. Vraiment beaucoup. Métaux et métaux rares. Alors, j'espère quand même que plus c'est rempli, mieux c'est. Je crois que j'avais envie de tester celui-là. Et trop bien, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, on va prendre celui-là, on va commencer pépère. Donc voilà, je m'étais foiré. C'était un peu le bazar, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il va nous parler, blablabla. Alors voilà, il faut savoir que moi j'avais commencé sur une zone genre nulle de chez nulle. Mais vous voyez ici, on a notre zone. Zone, alors un site de recherche c'est génial, mais surtout une zone de béton. Et ben, j'avais compris à la fin que ben, c'était intéressant d'avoir une zone de béton en fait. Ok, on va se mettre là. Alors, juste. Voilà, on va se mettre là. C'est parfait. Et voilà, on a atterri. Alors comme vous, hein, je suis assez, ben, je débute, hein, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est un peu, je suis pas le meilleur, je le sais très bien, et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on découvre et qu'on va s'amuser à tout découvrir. C'est parti, on va commencer à chercher du métal qui est ben, juste ici, c'est parfait. On va récolter tout ça. Génial. On va du coup maintenant. Faire plusieurs choses. On va devoir faire de l'électricité. On va se faire un petit panneau solaire, je crois que ce sera le plus facile pour commencer. On se mettra un accumulateur d'énergie. Après, il nous faudra du métal encore. Mais surtout, on va faire une usine à béton. Donc, pour l'extracteur de béton. Alors, on va. C'était R pour tourner. On va faire comme ça. Ouais. Donc ici, il est en train d'extraire petit à petit. On pourrait dire, je suppose... Attendez, c'était où? On peut pas lui dire de tout vider. Ah, ou peut-être qu'il faut mettre une zone spécifique pour ça. Je sais pas. En tout cas, on va commencer à faire ça. On va se faire notre petite zone d'électricité, genre peut-être proche d'ici. Alors, je vois qu'ici on en a deux, donc je suppose que c'est prévu d'en avoir deux. Donc en vrai, j'ai quand même envie d'en mettre directement deux ici. Ouais, c'est ça. Parfait. On va prendre des câbles. Alors, les câbles, ça nous coûte quoi en fait? Ça, j'avoue que je peux pas regarder. Parfait.
Parfait. Et... Ok. Il nous faut un dépôt. Un menu construction... Dépôt, on va se faire un dépôt universel. On va également se faire un dépôt, une décharge. Je crois que c'est ça qu'il fallait. Et du coup, un dépôt normal alors? Un dépôt de béton. Ici à côté. Alors, le réseau de drones est un centre de commandement. C'est vrai qu'on devrait faire ça. On devrait se faire un petit truc de drone. On va connecter genre ici. On va mettre de l'électricité. Voilà, alors le problème c'est que ici du coup je comprends qu'il nous manque possiblement du béton. Du bâtiment non fonctionnel. D'accord, on va aller là, ça va être plus rapide. Ok, génial, ça fonctionne ici pour le béton. Parfait. Maintenant qu'on a du béton, on pourrait essayer de... alors, ce qu'on peut déjà faire. On va rechercher. Alors, me demandez pas ce que je vais rechercher, je sais pas trop. Voilà, ça va être les 5 premiers. Exploration. On va peut-être explorer. Alors, il nous faudrait du métal quelque part, donc on va chercher tout autour. Voilà, on va déjà lancer ça. Le bâtiment non fonctionnel. Pas assez d'énergie, je suppose. Ouais. Alors ici, tour de détection améliore significativement votre vitesse de scan. Ok, ce qu'on va d'abord faire, on va mettre un accumulateur d'énergie. Parce que clairement, il nous faut de l'énergie. Votre attention, s'il vous plaît. Défaillance du générateur Stirling. Tester une technologie immature dans un environnement maîtrisé donne toujours des résultats imprévus, blablabla. Effectuer des recherches, blablabla. Ok. On va se faire une zone de panneaux solaires aussi, parce que ça ne nous coûte rien. Enfin, ça ne coûte vraiment que du métal. Alors, on va peut-être faire attention, parce que je vois qu'on n'a plus vraiment de métal. Donc, il nous parlait d'une tour de détection. On pourrait essayer de voir. Voilà. Tour de détection. Alors, on va essayer de mettre ça dans des zones un peu. Alors, vous voyez, c'est pas trop grave d'être dans un coin. Faut qu'on utilise la place pour que quand on aura nos dômes, on pourra vraiment en profiter sans aucun souci. Voilà. Alors, est-ce que ça va déjà mieux pour la recherche? 42, 43, 45, ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Production de recherche dans le rayon d'un dôme ou hors du complexe. Ok, c'est toujours ça. Béton, on a. Super. Une fois que on a tout ça, il nous faut donc vraiment le... on va accélérer, on va faire la recherche. Il nous faut vraiment du métal maintenant. Ah là là, je galère avec les touches. Production d'eau. Extracteur d'eau, mais pour ça il nous faut de l'eau. Sector scanned. Ah, on a du métal. Ah non, on a du béton. Bon, c'est bien, on a du béton, c'est super. Mais j'avoue que c'est pas vraiment ce que je cherche exactement maintenant. Alors,
entre des métaux rares et une anomalie. Alors on peut déjà envoyer un petit véhicule vers l'anomalie. Et je crois qu'on va continuer à chercher du béton encore. Des métaux rares. Bon, j'ai pas l'impression que... Alors, est-ce que je me trompe et qu'il faut... Non, c'est que des métaux rares. On a plein de béton, donc ça c'est super. Mais c'est tout. Donc... Donc ça va. Secteur scanné. C'est... Alors, on voit rien. Hein. On ne voit strictement rien. Anomalie analysée. Découverte de... Ah, découverte d'un gisement de... Yes! Yes, yes, yes. Des métaux. Ah ben voilà. Génial ça. On va aller scanner l'anomalie. Fuite détectée. Ok. On va du coup aller installer notre bâtiment de production gisement de métal. Alors, peut être exploité par un extracteur de métaux manipulé par des colons. Ah ouais, mais non, mais c'est pas... Non. Pas ce que je cherchais, moi. Alors, on va faire... souvenir, on va créer une voie de transport. On va dire, tu vas... prendre... du métal, et tu vas le décharger... ici. Alors, vous gagnez 2000 de ça. Ok, super. J'avoue que j'ai pas envie de tout lire. Anomalie, encore. Alors, ce que niveau recherche... C'est quoi avancer ? Découverte... Découvrez ce qui provoque les défaillances. Ok. Alors, on va réfléchir peut-être à protocole de mise en service, ingénierie. Ouais, c'est pas mal. Exploration, découverte... Bon. Génial. Je sais, hein, je galère. Je suis désolé pour ça. On trouvera bien. Alors là, il faut des personnes. Extracteur de métaux. Il faut toujours des personnes de nouveau. Voilà. Ok, donc les métaux, en fait, c'est qu'avec des personnes. Nouvelle anomalie détectée. Ok, exploration. On va continuer de faire tout autour, hein. Alors, anomalie analysée. L'explorateur a scanné le site de l'anomalie sans rien trouver normal. Malheureusement, il semblerait que les relevés étranges n'étaient dus qu'à des parasites du senseur. Oh, c'est pas trop grave. Recherche terminée. Nouvelle anomalie. Anomalie analysée. Donc tout ça, on va enlever. Ok, est-ce que niveau énergie, on est bon? Alors, on a beaucoup de béton. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Produit de l'oxygène, produit... non. Alors oui, c'était ça, mais il nous fallait un extracteur d'eau. Mais pour ça, il nous faut un gisement d'eau. Chose que nous n'avons point. Alors, on va continuer à analyser ici, peut-être. J'irais bien analyser là. Pourquoi ? Parce que il nous faut absolument trouver de l'eau pour qu'on puisse renvoyer, pour que, vous voyez, on puisse faire pas mal de choses. Voilà. Par exemple, une fusée cargo peut livrer des fournitures supplémentaires à la colonie, blablabla. Ah non, ça c'est une fusée cargo. Okay. Mm-hmm. C'est fou comme passer de la théorie à la pratique, c'est pas du tout la même chose. Et lui, j'espère que... C'est fou quand même ces erreurs. Hein. On a tellement de béton. C'est fou. Alors ici,
Vous voyez comme il est abîmé là, on pourrait réduire le coût de la technologie robotique de 10%. Okay. Donc c'était ça. Alors je me demande ça. Non. Ok, donc ça c'est une nouvelle technologie possiblement. Cool. Cool, cool, cool. Ah, c'est toujours en cours ici. C'est bientôt fini. Ça sera bien. Alors niveau énergie, est-ce que on est bon? Est-ce qu'on pouvait pas voir ça quelque part? Ok. Ah, c'est pas souvent lui ce qu'il consomme, donc ça va. Et on est déjà à bientôt sol 6. Et une petite sauvegarde automatique, c'est parfait ça. Ah, on a fini notre découverte de défaillance. Alors, les générateurs Ceiling produisent 25% de plus d'énergie. Oh bah super ça. Super, super. On a pas mal de métaux, on va le laisser là. Ok, maintenant qu'on a des métaux, je sais pas plus scanner en fait. Alors on a analysé une anomalie, donc ça c'est bien. Nous avons découvert 30 métaux rares sur le site. Oh, cool. Cool, cool, cool. On a beaucoup... Oh, c'est fou le béton qu'on a quoi. Bon c'est bien parce que de nouveau on aura sûrement énormément besoin mais... Ok, il a fini. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre ici. Et on va le ramener. Est-ce qu'il y a d'autres anomalies qu'on peut aller scanner ou analyser? On va se diriger vers ici. Alors je me demande, est-ce que je devrais genre forcer le truc et en faire beaucoup ou pas? Vous voyez, faire beaucoup de zones spécifiques pour le... Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut améliorer le scan? Je ne sais pas trop. On va regarder ce qu'on a. On va regarder, on va un peu analyser si on peut ajouter des petits trucs sympas. Vaporisateur... Alors attendez, c'est moi ou produit de l'eau grâce à l'atmosphère. Donc on peut créer de l'eau en fait. On n'a pas besoin. Oh, oh, oh. C'est génial ça. J'avais pas compris que c'est possible. Alors, on a ça. Une fois qu'on a ça, du coup, on va devoir se faire... Donc... On va devoir faire de l'oxygène. On peut faire l'oxygène déjà maintenant, comme ça c'est fait. Parce qu'il n'y a pas d'entrée-sortie, je crois. Je me trompe avec les touches, c'est abusé. Ok, on va se mettre de quoi stocker tout ça. Valve, tuyau. Château d'eau. Et alors le dôme, est-ce qu'on peut déjà commencer à mettre un dôme ou pas? Oh, mine souterraine. Non. Est-ce que vous croyez qu'on a déjà un dôme de préfabriqué ou... Ah ouais, on a déjà un dôme en fait. Ok.
autosuffisant, mais existant. What? Mais il y avait tout ça? Sérieux? Mais c'est trop bien. C'est beaucoup trop stylé. Où va-t-on le mettre? Où est-ce que ce serait le plus intéressant? Moi, je dirais ici, quelque part. Alors, pour le contrôleur, ça, c'est pas trop, trop grave. C'est fou qu'il y ait tout ça, déjà de préfabriqué. Alors c'est génial, hein, je ne dis pas, non, mais... Hey, c'est juste pour construire, en fait. Alors, donc, principalement, il nous faut de l'électricité. Électricité qu'on va amener. Hein. On va l'amener genre. Comme ça. Et voilà. Research complete. Milestone achieved. Alors, pas de système de survie, blablabla. Les colons vivent dans les bâtiments résidentiels. Les bâtiments résidentiels sont de base. Ouais, c'est ça. Il nous faut. Ok, on va mettre de quoi habiter pour le moment. Et je crois que on va laisser ça un peu comme ça. On va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, merci. Merci comme d'habitude de me suivre, de continuer à regarder mes vidéos, c'est toujours très sympa. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.